je fais un petit vidéo. J'essaie de faire ce cours aujourd'hui. Faut que j'en parle, puis ça me concerne comme pas en même temps, mais faut que j'en parle parce que ça vient tellement me chercher. Puis je me dis, on a tellement de leçons à apprendre de ça, mais bon. Vous avez peut-être entendu parler la semaine passée, vendredi passé, le 12 juillet, d'un accident de la route qu'il y a eu. Je pense que ça a fait le tour du Québec, mais en tout cas, ça s'est passé dans mon coin. Puis c'est sur une route que toute ma famille utilise assez fréquemment. Je vais aller éteindre l'air climatisé, c'est bon. Donc, c'est ça. Je suis sur Facebook, puis je vois ça qui passe vite fait, là. 117 a un accident, puis c'est le genre de choses qu'on n'a pas de nouvelles, on sait juste qu'il y a quelque chose. Fait que j'appelle ma mère pour lui demander si c'est correct, parce que c'est sur la route entre le chalet et la maison, puis je sais qu'ils font la route plusieurs fois par jour. Des fois, j'ai mes oncles, mes tantes qui passent par là. Fait que je l'appelle, puis là, je lui demande comment ça va, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, puis là, on pense à qui qu'il y a sur la route à ce moment-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ça dans mon coin parce qu'il y a beaucoup de monde sur les routes. Fait bref, on en conclut qu'il n'y a personne qu'on connaît sur la route. Là, le soir, je m'en vais au bureau de poste. Puis à la radio, j'entends qu'il y a eu un accident. Puis qu'il y a une petite fille de 6 ans qui est décédée dans l'accident. Puis que sa petite soeur puis que son papa sont aux soins intensifs, puis sont dans un état grave. Fait que ça m'a rendu super émotive sur le coup. Juste, tu sais, j'étais pas avec mes enfants à ce moment-là. Là, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous puis faire un câlin à mes enfants. Là, je me suis mis à pleurer dans mon char instantanément. Ça m'a vraiment touchée d'entendre ça, de savoir que ça se passait si proche que ça. Puis là, la question, c'est tout le temps, est-ce qu'on les connaît? Puis là, fait que bref, ça avait pris un petit bout de temps avant de savoir c'était qui. Je nommerai pas les gens, là, mais tu sais, comme. Je n'aimerais pas le nom là, parce que c'est pas public, là, mais t'sais, ceux qui sont concernés par ça, ils les disent leur nom, mais en tout cas, ça pour dire que c'est pas. Je connais la grand-maman de la petite fille. Elle a donné des cours de musique à Viviane quand elle était plus petite, puis elle parlait beaucoup de la petite fille, puis tu vois que c'était une grand-maman aimante. Puis en ce moment, la maman, elle est au chevet de son autre petite fille de 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans, là. Elle a dit 5 ans, sa plus vieille qui est décédée. Puis 4 ans, je pense, l'autre, ils ont 11 mois de différence. Puis son chum est dans un autre hôpital à Montréal aussi. Les deux sont dans un état critique. Puis ils sont en bonne main, là, sauf qu'ils savent pas trop ce qui va se passer. De ce que je comprends. J'ai dit ça, tu sais, c'est ça, là, je sais pas plus de choses que les autres gens, là, c'est juste, je fais juste pour résumer ce que je connais de la situation. Parce que c'est vraiment terrible, là, puis je fais juste penser, ça me donne envie de brailler, là, puis j'ose pas imaginer comment est-ce que la maman, elle se sent là-dedans. Puis, en fait, je filais pour en parler parce que je pense que tout le monde dans mon coin est complètement dévasté par ça, même si on les connaissait pas, c'est complètement terrible, c'est inhumain, quelque chose comme ça. Puis, je fais pas du chiolage, là, parce que les circonstances de l'accident, je les connais pas, puis ça a l'air d'être un pur accident. Puis, il y avait, tu sais, un autre conducteur de impliqué, puis je suis tout à fait avec cette personne-là aussi, ça doit être complètement terrible. Mais là, tu sais, je regardais une de ses photos à la maman hier. Pour, tu sais, on dirait que les quatre ensemble, ça me faisait réaliser comment est-ce qu'ils étaient, tu sais, comment c'était une vraie famille, là, tu sais. Puis, je veux pas dans la communauté ici, ben les gens se soutiennent beaucoup, puis tout le monde finit par connaître quelqu'un, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en parlent, puis on en parle à tous les jours, puis tout le monde est vraiment au courant de cette histoire-là, puis tout le monde en parle, puis là, ben de voir la photo des quatre ensemble, puis elle qui dit qu'à quel point que elle dit vous me manquez, ben je trouve ça tellement triste, incroyable. Puis là, je sais pas à propos de moi, là, cette vidéo-là, là, c'est vraiment une vidéo pour deux choses, en fait.
La première, c'est qu'en voyant sa photo, j'ai vu ça à peu près en même temps que hier à la fin du souper. Puis à la fin du souper, les enfants, ça joue. Puis mon chum, il joue avec eux. Puis je les regardais. Puis j'avais le cœur gros, là, que je regardais. Puis j'étais heureuse, là. Mais tu sais, je me disais, arc, voir que. Elle, il y a une semaine, elle avait tout ça. Puis en une seconde, littéralement une seconde, elle a tout perdu ça. C'est incroyable à quel point que tout peut changer en pas longtemps. Puis là, je regardais les miens, puis on dirait que j'ai toujours de la peine quand il y a quelque chose qui arrive, mais je sais pas, on dirait que cette fois-là, je fais vraiment beaucoup de projections sur ma famille. J'arrête pas de m'imaginer que ça m'arrive, puis je peux pas croire que ça arrive à quelqu'un, quelque chose comme ça. Fait que bref, je veux pas de sympathie, là, parce que j'ai une super belle vie, puis le but de mon message, c'est surtout que personnellement, ça me fait vraiment réaliser qu'il faut pas rien prendre pour acquis, puis le frère de la maman, il écrit des super de belles choses, puis je sais plus trop comment est-ce qu'il disait ça, mais en gros, c'était comme, si vous avez vos enfants en vie, vous pouvez vous permettre d'être heureux. Puis ça me donne des frissons juste d'y penser, parce que c'est vrai, là. Des fois, on a tellement tendance à faire des gros cas avec rien, puis tu regardes des histoires comme ça, puis tu te dis, hey, c'est-tu rien d'avoir une crise de bacon, tu sais, pour, je sais pas, acheter des céréales à l'épicerie, là, tu sais, c'est tellement des choses bénignes, puis il faut remercier la vie d'avoir, tu sais, quand on a la santé, quand on a nos enfants, quand on a ceux qu'on aime, là. C'est la morale numéro un que je veux vous faire, que je veux vous parler avec cette vidéo-là. Puis la deuxième, ben, c'est que du haut de toute mon impuissance face à ça, puis de l'impuissance à tout le monde, si on pouvait se mettre ensemble, puis donner chacun une petite partie de notre santé puis de notre corps qui fonctionne bien à sa fille puis à son chum, son mari, on le ferait tout, mais ça marche pas comme ça. Mais il y a une chose qu'on peut faire, puis c'est donner des sous, parce que là, j'assume qu'ils ont plus de salaire qui rentre. Je sais qu'elle est au chevet de sa petite fille, puis que son chum, évidemment, il travaille pas, il est dans le coma lui aussi. Fait qu'il y a un GoFundMe qui a été parti. Puis c'est la raison principale de mon vidéo. Parce que il y a beaucoup d'entreprises de la région qui ramassent des sous pour eux. Puis les gens sont très sensibilisés ici, mais je me suis dit, ben moi j'ai quand même un public qui est partout au Québec. Fait que si vous pouvez aller contribuer ou juste donner un gros bisou à vos enfants aujourd'hui, puis remercier la vie de les avoir avec vous. C'est une histoire qui fait extrêmement réfléchir, puis je suis de tout cœur avec la famille. Si seulement il y avait des mots magiques, là, que tu pourrais dire, qu'on pourrait dire pour faire arranger ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Fait que, en attendant, au moins, ce que monsieur, madame, tout le monde peut faire, c'est contribuer à au moins enlever la charge financière à cette famille-là, à cette maman-là. S'il y a bien une chose que c'est pas le temps de se soucier, c'est l'argent. Puis, s'il y a bien une chose qu'une population peut faire pour aider quelqu'un, c'est au moins soutenir un petit peu à ce côté-là. Fait que, petite vidéo à l'improviste de ma part aujourd'hui. Ça n'a comme vraiment pas rapport avec ma chaîne, mais c'est pas grave, je suis authentique, là, si j'avais, ça me démangeait de faire cette vidéo-là. Donc, je vais mettre en barre d'infos le lien vers le GoFundMe, puis on se reparle la prochaine fois. Bye!